Bonjour à toi, cher spectateur. A Star is Born de Bradley Cooper. C'est un petit peu le film obligatoire de la rentrée, entre guillemets, parce que ça fait pas si longtemps que ça que le projet a été annoncé, parce qu'à la base c'était Clint Eastwood qui devait s'en occuper et Clint Eastwood l'a délaissé pour se pencher sur The Mule, qui a l'air d'être passionnant si vous n'avez pas vu la bande-annonce. Et là, du coup, la surprise était de taille parce que déjà Bradley Cooper passe derrière la caméra, mais au-delà de ça, il offre le premier rôle à Lady Gaga. Pour un film musical que tout le monde voit comme étant le grand favori des prochains Oscars, enfin bref, le film obligatoire en fait du mois d'octobre. Le résumé pour faire simple, Jackson est un chanteur et guitariste au beau milieu d'une carrière qui commence sérieusement à chuter, sans compter qu'il est alcoolique et toxicomane. Mais sa vie va changer quand en sortant d'un concert, il rentre dans un bar et fait la rencontre de Ali et de sa voix. Et ça n'est pas uniquement de par sa réputation que c'est un film obligatoire, parce que A Star is Born est un très beau film de la part d'un réalisateur qui est passionné par le sujet et qui a eu envie, au-delà de se mettre en avant peut-être, parce que le film met tout de même en avant pas mal Bradley Cooper, de mettre en avant une jeune actrice, parce que même si elle a un petit peu de bagage derrière elle, ça reste une jeune actrice, Lady Gaga, et au-delà de ça, qui a voulu créer un récit extrêmement immersif. A Star is Born est avant tout un film profondément respectueux de la musique country et de la musique en général. C'est un film qui est en pure filiation avec d'autres cinéastes, comme un certain Scott Cooper. Je sais pas si vous avez vu Crazy Heart, mais je vous conseille de le voir. C'est un petit peu dans la même veine. Et du coup, ça donne une œuvre qui est émotionnelle, terriblement juste, terriblement intense, et également maladroite, mais c'est une première réalisation, donc ça n'est pas si étonnant que ça. Et on verra, ça va être surtout dans la réalisation que le film est bancal. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement galvanisant au cœur de ce film. Il y a une passion pour, comme je disais, la musique, mais au-delà de ça, pour l'être humain. C'est un film qui remplit le cœur du spectateur d'une émotion qui est parfois difficile, voire très difficile. Mais c'est un film qui cherche à être juste et qui cherche à être vrai. Comment faire lorsque l'œuvre que l'on décide d'adapter a déjà été portée de nombreuses fois par le temps passé, et surtout que beaucoup d'auteurs ont eu peur de la prendre en main, jusqu'à littéralement voir Clint Eastwood ne pas se sentir capable de porter à l'écran cette aventure, et qu'on reprend le projet sur le vif. Bradley Cooper n'a pas eu peur de prendre en main cette nouvelle adaptation de Une étoile est née, pour nous offrir un film émotionnel dans ce que le terme a de plus noble finalement, mais également de plus évocateur et de plus intense, une œuvre à laquelle on pourra reprocher pas mal de choses. Mais pas une chose essentielle à la base de toute œuvre de cinéma, celle de pouvoir toucher le tout un chacun, fan de musique ou non, émotif ou insensible, il est évident que cette œuvre ne laisse pas indemne. En termes d'écriture, donc c'est Bradley Cooper, Eric Roth et Will Fitters qui se sont collés à l'écriture en se basant sur le scénario qui avait été écrit pour la version avec Barbara Streisand dans les années 70, mais également sur la version qui avait révélé Judy Garland dans les années 50. Pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le quatrième remake de Star is Born. On sent qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été racontées avant, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées avant, mais ce scénario-là dégage quelque chose pour moi qui est extrêmement fort et qu'on ne voit pas dans beaucoup de films, c'est un amour des personnages qui jalonnent tout le récit. On pourrait passer des heures à essayer de décortiquer toute la dramaturgie et voir tous les défauts, toutes les grosses ficelles, tous les enchaînements dramatiques, les retournements qui sont vus et revus et qu'on connaît par cœur dans ce type de cinéma. Pour moi, ce qui ressort de ce film, c'est la construction des personnages et la minutie avec laquelle chaque protagoniste va avoir à rencontrer un ensemble de personnages secondaires qui vont plus ou moins l'aider à avancer pour faire en sorte que son parcours devienne autre chose qu'une simple anecdote. C'est un film qui veut parler de grandiose tout en étant extrêmement intime. C'est un film qui veut parler de l'extraordinaire tout en étant très terre à terre. C'est un film qui veut parler de la naissance d'une étoile, mais en choisissant de d'abord regarder vers les étoiles avant d'attraper le télescope ou d'enchaîner sur une navette spatiale. C'est un film qui est pour moi extrêmement vrai parce qu'il ne cherche pas à être factice. Il ne cherche pas à être dans le strass et les paillettes. Il cherche au contraire à être derrière. Dans ces petits moments qui vont construire une personnalité et qui vont faire qu'elle va avoir un impact sur le monde. C'est ça qui fait que pour moi, l'écriture est fantastique et je pense qu'on le doit surtout à un des scénaristes, même si les trois sont importants. À trois, ils ont réussi à composer une aventure qui rassemble tout ce qui fait la force et la grandeur d'un récit de cinéma universel et grandiose. Soit être à la fois terriblement intime, mais également être capable de brasser des choses exceptionnelles. Et même si Cooper et Fitters apportent beaucoup, je pense que c'est Roth qui est le vrai auteur de cet ensemble. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder les scénarios qu'il a écrits, mais cet homme est capable de brasser beaucoup de choses au cœur de ses scénarios.
Et c'est notamment ce qui fait la force de ses récits, d'équilibrer les points de vue, d'amener des personnages pour parfaire une histoire, et ici, de les rendre essentiels à la compréhension de chaque personnage, de chaque instant et de chaque émotion peinte à l'écran. En termes de mise en scène, c'est donc le premier long métrage de Bradley Cooper. Donc vous vous en doutez, il y a plein de petits défauts. Je préfère pas forcément m'attarder de vive voix devant vous comme ça sur les gros défauts parce que pour moi c'est pas ce qui fait la sève du film. Ce qui fait la sève du film, je trouve que c'est que Bradley Cooper a réussi à avoir un œil très humain, comme je le disais avant, mais également d'avoir un œil très vrai. Ça se ressent dès la première scène où il chante, qui est un concert live et qui est filmé avec le plus de simplicité possible, mais c'est peut-être cette simplicité qui rend cette scène exceptionnelle. Parce que dans nombre de films, on voit des séquences musicales qui sont surcutées, surmises en scène. Pour moi, là, cette séquence musicale, à l'image de toutes celles qui jalonnent le métrage, me font penser à du Terrence Malick qui aurait rencontré du Clint Eastwood. Il y a de l'émotionnel, mais il y a également du réalisme. Il y a de l'humain, mais également un petit peu d'hypersensibilité dans la manière de se rapprocher des différents acteurs. On sent que Bradley Cooper a également voulu mettre très en avant les performances de ces différents acteurs. Ça se ressent peut-être un peu trop, et c'est à la fois une grande qualité du métrage, mais également un énorme défaut. Parce que la plupart de ces films ont tendance à vouloir tellement mettre en avant les performances des différents personnages et acteurs que du coup, ça en oublie un petit peu de se servir du montage, de se servir de la mise en scène, de se servir des différentes coupes ou d'un montage alterné. Ça veut absolument uniquement mettre en avant des acteurs qui jouent très bien. Mais ça n'est pas uniquement ça, la mise en scène de Bradley Cooper, et c'est peut-être ça que je veux qu'on retienne. C'est que c'est avant tout un film qui veut se concentrer sur des personnages, et même si les acteurs ressortent, c'est avant tout les personnages qui font l'émotion, qui font la sève, et qui font la sensibilité d'une œuvre, qui reste tout de même bancale. J'ai juste du mal avec une chose dans ce métrage, que je pense que Cooper ne maîtrise pas forcément. C'est l'usage du montage et le fait qu'il n'arrive pas forcément à totalement cristalliser l'émotion au fil des scènes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne réussit pas à rendre des scènes émotionnelles derrière. C'est cela qui me donne envie de profondément le respecter et d'admirer le travail qu'il nous offre ici. C'est que l'émotion est palpable à de nombreuses reprises. Et que bien au-delà de cela, il arrive à rendre ses personnages transpirants de vérité et juste magnifiques du début à la fin. Pour une émotion déchirante qui nous dévore de bout en bout et qui nous donne envie de les prendre dans les bras pour toucher de près ou de loin cette émotion qu'il nous donne et qu'on a envie de leur rendre. En termes d'acteur, il y a des performances qui sont vraiment hallucinantes de justesse dans ce film. J'adore la performance de Sam Elliott. S'il n'a pas une nomination dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, c'est qu'il y a un souci parce que là, il est vraiment extraordinaire, mais cet acteur a toujours été extraordinaire, même quand il jouait dans Ghost Rider. Il y a également Andrew Dice Clay qui est très très bon. J'ai beaucoup aimé aussi Rafi Gavron qui joue Rez, le mec qui s'occupe de, entre guillemets, le manager de Live Nation. Il y a plein d'acteurs comme ça qui sont très bons aussi. Il y a Dave Chappelle qui a un petit rôle secondaire qui apparaît un moment mais qui est très marquant. On sent que c'est là que Bradley Cooper il a voulu beaucoup jouer entre guillemets avec son casting, même lui étant exceptionnel, mais on sent qu'il veut pas forcément lui se mettre en avant, il veut mettre en avant les acteurs qui l'accompagnent. Et ça se ressent également dans la manière avec laquelle il met en avant Lady Gaga. Lady Gaga est magnifique, même si on peut avoir du mal au début avec son interprétation, mais par la suite, elle démontre un vrai talent touchant et sincère. En même temps, c'est un peu normal, que Cooper révèle à merveille autant derrière que devant la caméra à ses côtés. Au bout du compte, Star is Born est un film extrêmement beau, extrêmement sensible, mais également extrêmement vrai, extrêmement juste, extrêmement clair dans ses ambitions. C'est juste que Bradley Cooper, c'est sa première réale, qui a pas mal de petits défauts, et que ça se ressent. Mais si on laisse ça de côté, Star is Born de Bradley Cooper est une œuvre impressionnante, fascinante, envoûtante, que je vous conseille fortement de voir en salle, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu et vous avez totalement raison de l'avoir vu. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, foncez, c'est vraiment un très beau film. Il a peut-être ses chances aux prochains Oscars, mais personnellement, j'y crois pas trop. Je pense qu'il aura quelques nominations, mais à l'image de Crazy Heart, ça sera plus de l'acteur et de la musique. Point barre. À plus.